Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, téléspirituels de Golf TV Africa, bonsoir. C'est toujours un plaisir renouvelé pour nous de vous retrouver tous les vendredis soirs à 21h pour le partage des connaissances endogènes, culturelles, cultuelles et spirituelles. Nous entrons déjà dans la période de fin d'année, période qui rime généralement avec la recrudescence des accidents de circulation souvent mortels et beaucoup d'autres événements tragiques qui effraient et suscitent diverses interprétations, y compris les plus mystiques. Beaucoup parlent du bilan des sorciers et des manifestations des esprits maléfiques. C'est justement le thème sur lequel nous allons vous entretenir ce soir. Et pour animer cette émission, comme tous les vendredis soirs, je suis accompagné de mon cher et ami collègue Aristide Kanoussou, déjà en studio avec moi. Aristide, bonsoir. Bonsoir à vous, Ulrich Assogbagbe. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs, tous ceux-là qui ont déjà pris le rendez-vous ce vendredi soir. Et comme vous vous en doutez, pour parler ou débattre de ce thème avec nous ce soir, notre invité va par le nom de Adrien Naka. Il est maître spirituel et également maître du Fa. Adrien Naka, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir, bonsoir mes chers téléspectateurs. Et on m'appelle Naka Adrien, venu de Boïcon. Alors, Adrien Naka, tel que vous l'avez remarqué, nous voulons parler des situations, en tout cas des cas d'accidents que nous remarquons en période de fin d'année. Est-ce que sur le plan spirituel, la recrudescence des cas d'accidents en période de fin d'année a une explication? Bon, effectivement, ça a d'explication parce que nous assistons maintenant pas mal de choses vers la fin de l'année. Et souvent, bon, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Il y a les accidents graves et surtout mortels. Et nous remarquons souvent dans sur nos grandes voies de notre contrée, grande ville plutôt. Bon, maintenant, et ces cas surtout sont venus de. Par exemple, sinon, bon, pour vous dire que et ces cas surtout dépend de chacun de nous, ce que nous adorons et surtout ce que nous vivons. Donc sur le plan spirituel, ça a une explication. Oui, ça a une explication quand même. Donc ce n'est pas de fait de hasard. Non, c'est pas. Tout ce que nous vivons maintenant là ne sont pas de hasard. Ce n'est pas de hasard. Mais surtout, ça vient de nous-mêmes et peut-être bon, ça quitte de notre région, de notre famille surtout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-nous davantage. Bon, ce que nous vivons maintenant là. Quand vous dites par exemple que ça vient de l'intéressé ou du sujet en question, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, bon, sinon bon, je dis par là que du fait que nous, par exemple, dans ma famille, on a des totems à respecter. Et peut-être, bon, ils nous ont interdit de ne pas prendre la viande du cochon, par exemple. Et bon, en venant dans les grandes villes, on dit que, bon, c'est le village là qu'on entend des choses là. Comme nous sommes maintenant venus dans les grandes villes, nous allons manger tout. On ignore ce que les traditions nous donnaient en ville. Et nous consommons tout ce que nous voulons. Là, le mal nous suit et nous conduit dans des mauvaises choses. Et pourquoi est-ce que ça doit attendre la fin d'une année avant de se manifester? Pourquoi c'est en période de fin d'année que ces événements-là se passent? Oui, c'est parce qu'on te fait le bilan. Ce que tu as fait. Par exemple, si tu fais une composition là, pourquoi on dit, bon, chaque trimestre, on fait une composition? C'est au cas où nous étudions pas mal de leçons et on voit maintenant que ce que l'enfant a utilisé durant 3 mois, là, qu'est-ce que ça a donné? Donc, en ce temps, on fait le bilan de ce dernier-là. Et ça provient de chaque région, de chaque famille de la personne et non de l'autre côté.
Vous voyez. Donc, qui est celui ou celle qui fait ce bilan-là? Qui est chargé de faire ce bilan-là? Bon, souvent, il y a le bon Dieu même qui fait ce bilan-là. Et pourquoi il va choisir cette période? Si c'est Dieu, pourquoi c'est forcément cette période qu'il va choisir pour faire le bilan? Eh oui, il faudra que le bon Dieu aussi, sinon il travaille, il faisait certaines choses. Et il a aussi un temps à donner pour régler ces problèmes-là aussi. C'est-à-dire, bon, nous prenons le temps de gérer un certain devoir durant 3 mois donnés. Et à une séance de fin de semestre comme ça, là, nous organisons un test aux enfants. C'est comme ça aussi. Donc vous le bon Dieu fait. Vous estimez que le bon Dieu qui a créé ou qui a créé sa créature, si vous le permettez, il y a certains pléonastiques, veut les corriger en les soumettant à des incidents tragiques. Voilà. Donc c'est le bon Dieu même qui fait ça. Oui, selon nous. C'est sa méthode à lui de corriger ses enfants. Voilà. En les soumettant à des accidents tragiques en fin d'année. Oui, oui. Et vous confirmez cela? Le bon Dieu crée d'accidents, c'est ça ce que vous venez dire? Ou c'est que ça? Je peux vous donner encore autre exemple. Non, attendez. Oui. Le bon Dieu là, c'est qui? Il faut qu'on se comprenne. Bon, chez nous, le bon Dieu, c'est celui qu'on ne voit pas et qui organise, un événement donné et qui arrive sur une personne. Vous comprenez un peu ce que je vous dis par là? C'est-à-dire, bon, le bon Dieu, c'est un esprit et qui corrige ce que tu fais durant un certain moment donné. D'accord. On va quand même suspendre ce volet-là d'abord. Vous avez dit qu'il y a plusieurs personnes qui passent à ce jugement-là. Vous avez dit le bon Dieu en est pour quelque chose. Et les autres, qui sont-ils? Qui sont ceux-là qui font le bilan-là? En dehors du bon Dieu, il y a nos esprits qui nous entourent. Ce sont eux qui apportent le résultat de tout ce que nous faisons au bon Dieu. Les esprits qui nous entourent. Voilà, par exemple, chez nous maintenant, là, on dit dans notre tradition qu'il y a le Tokyo, il y a le Tolegba, il y a le Minona, il y a le Segbolisa. En fait, tous ces noms que vous donnez, c'est quoi? Quand on parle de Tokyo, c'est... Voilà, Tokyo, c'est un grand fétiche qui gère tout, c'est-à-dire... Le palais des ancêtres. Voilà, des ancêtres surtout. Et le Tokyo parle des ancêtres, c'est-à-dire ceux qui nous entourent comme... Et chez nous, on dit accord. Chez nous, bon, je ne sais pas ce que je ne connais pas le seul... Totem, vous parlez des interdits. Non, ce n'est pas les interdits. Et chez nous, on dit les ayatos, voilà. Les panégyriques, voilà. Oui. Voilà. Ce nom maintenant. Et par exemple, chez nous, il y a le Tokyo, c'est Dovo. Le Tokyo Dovo, là, lui, il est là. C'est lui qui a mis au monde tous ses enfants-là, ses descendants-là. Et lui, il est là maintenant. Par exemple, moi qui suis maintenant, je suis dans la famille. Je suis contre quelqu'un d'autre et qui m'envoûte souvent et qui m'envoie de fétiches, de gris-gris, de quoi d'autre pour me tuer. Il n'arrive pas à me tuer. Et moi, je ne fais que rester sur mes totems. Je sais que je ne mange pas de viande de porc peut-être. Et j'ai des totems à respecter. Là, lui me voit que vraiment, mon enfant là, lui, il est respectueux, il ne fait pas ce que je leur ai interdit, il ne mange pas ce que je leur ai refusé. En ce temps-là, il va sauvegarder ce dernier. Il ne va pas lui permettre qu'il va tomber dans des erreurs de l'autre. Vous voyez, il va le garder correctement. Là, si ce dernier-là continue à me faire du mal, le Tokyo va enlever son... Ça dit, chez nous on dit... Va le sauver, c'est ce que vous voulez. Non, il ne faut pas le sauver, il va le conduire dans une erreur. Il ira faire accident ou bien il va mourir rapidement là. À celui qui est au malfaiteur. Voilà, au malfaiteur. Vous comprenez ce que je dis? Bon, maintenant là, pour éviter tout ça, il faudra que toi-même,
tu te protèges. Quelle protection qu'il faut maintenant? C'est-à-dire, si chez toi, on ne fait que... Maître Naka, avant d'aller... avant de parler des protections, oui. On entend aussi dire que c'est une période au cours de laquelle les sorciers font le bilan. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Est-ce que d'abord, est-ce que c'est vrai? Cela aussi, c'est réel. Puisque, bon, et dans la vie que nous sommes là, chaque et village a son sorcier. Ouais, c'est sorcier. C'est sorcier, plutôt. Maintenant, si tu es là, et dans la famille toujours, et quelqu'un d'autre t'envoûte et il n'arrive pas à voir ce qu'il fait là, et que difficilement il arrive à manger, ou bien difficilement il arrive à faire ses besoins, il va chercher à envoûter ce dernier-là. Du fait que toi tu manges, tu fais tout. Et ce dernier n'arrive pas à manger. Il va chercher comment le tuer. Monsieur Naka, oui. Vous ne répondez pas à ma préoccupation. Je demandais, oui. Vous êtes dans le monde spirituel, vous maîtrisez oui. des choses que nous ne maîtrisons pas forcément. Mais on entend souvent dire que en période de fête de fin d'année, c'est-à-dire la période qui court du mois de novembre jusqu'au mois de décembre et de janvier, c'est une période au cours de laquelle les sorciers font leur bilan, d'accord? Et c'est pourquoi il y a des morts tragiques. Peut-être qu'ils auraient promis des choses, on ne sait pas trop, on entend dire beaucoup de choses. Alors, ma question est que, est-ce que vous qui êtes dans le monde spirituel et qui maîtrisez beaucoup de choses, est-ce que c'est réel, ces choses qu'on entend souvent? Je vous ai répondu ici maintenant que c'est réel. Puisque bon, dans la vie que nous sommes là, et il y a des têtes qui ont leur temps à faire. Et si c'est cette année-ci maintenant, et nous allons vers la fin de l'année, et que et ils ont vu que les esprits qui vous entourent, ils ont vu que celui-ci-là, il va dire, il tend vers sa fin. Là, son destin peut-être, il a pris part l'accident pour quitter ici. Là, on peut l'amener par accident. Peut-être, bon, lui va faire pendaison, il va mettre la corde au cou et mourir, disons, dans le mois prochain, dans la fin de l'année, comme ça, là. Il va le faire. Il y a une chose naturelle souvent qui arrive. Mais il y a des choses aussi provocantes qui arrivent. Alors, Monsieur Adrien Naka, oui. La question que moi je m'en vais vous faire, oui. On a dit que généralement c'est le bilan. Oui. En tout cas, selon vos explications, à la fin de l'année, oui, c'est le bilan. Quand il y a des recrudescences, des cas d'accidents tragiques, c'est le bilan. Oui. Et celui qui fait le bilan, là, selon vous, c'est Dieu, le bon Dieu. C'est aussi les esprits et tout le reste. Voilà. Alors, dans le même temps, vous avez dit que quand vous respectez les totems de votre maison et tout, les gens qui vous envoûtent n'arrivent pas à vous avoir, en quelque sorte. Oui. Ce qui veut dire que les gens peuvent vous envoûter et vous créer un accident tragique. C'est ça, non? Oui. Là aussi, est-ce que c'est un bilan? Celui qui vous envoûte et provoque un accident tragique, ça aussi, ça peut être rangé dans le cas des bilans? Bon. Je vous ai dit ici maintenant qu'il y a des cas tragiques aussi qui arrivent. C'est-à-dire, subitement, on entend seulement que celui-ci est décédé. Même, tu peux être dans ta chambre et mourir aussi immédiatement comme ça aussi. Or, la personne a bien mangé et on entend seulement à une seconde donnée que ce dernier vient de mourir. C'est aussi un bilan. C'est-à-dire, il a demandé cela avant de venir. Il sait que, et lui le sait, lui aussi en question ne peut pas le savoir. Hein. Je parle hein? de ceux Mais qui... Mais au cas où. Je parle de ceux qui vont tout faire, tuer mouton, tuer coq, pour pouvoir voir l'autre mourir. Ça aussi c'est un bilan, c'est de ça que je parle en fait. Quelqu'un ins, oui. qui parce que l'autre est en train de bien manger, l'autre oui. conduit voiture, et que lui n'en a pas,
veut tout faire pour le tuer et que peut-être c'est vers la fin de l'année qu'il réussit à l'avoir. Ça aussi, c'est un bilan. Ça, ce n'est pas un bilan. Est-ce que vous savez que ces pratiques-là aussi sont de plus en plus observées dans nos sociétés? Oui, par exemple, tout récemment maintenant, cela s'est passé sur moi-même. Bon, ce n'est pas un bilan en tant que tel. Mais on peut considérer comme bilan, mais ce n'est pas un bilan. Du fait que la personne est... Par exemple, ce que vous venez de demander maintenant là. Et si ce dernier... ne songeait même pas aller là-bas. Et quelque chose l'a conduit, finalement, il arrive à un milieu inconnu donné. Son destin peut-être a accepté de venir là-bas. Or, c'est conduit par autre force mystique. Vous comprenez ce que je dis? Je vous suis. D'accord. Et si ce dernier va là-bas et il mourrait? On ne va pas dire que ce n'est pas un bilan. En tant que tel, c'est un bilan. À vous entendre, c'est à croire que le bilan, ce n'est pas forcément... fin d'année. Période... Voilà. Donc ce n'est pas seulement une fin d'année que cela arrive souvent. Non, non, non. Le bilan peut arriver à tout moment. À tout moment. Mais pourquoi on va fréquemment comme ça et dans les fins d'année? Ça dit que tout le monde se presse à voir le nouvel an. Voilà. Tout le monde court de part et d'autre. Là, on arrive à vite rencontrer le mal devant. On court. Qu'est-ce que vous mettez dans courir? Voilà, je mets dans courir. La vitesse sur la moto ou bien... La vitesse sur la moto surtout. Par exemple, je veux payer telle chose. Et quand je ne vais pas là-bas rapidement, là, ils vont déjà tout prendre. Là, tu vas courir et aller prendre. En courant comme ça, tu peux rencontrer le mal devant toi. Et encore, c'est pourquoi chez nous maintenant, on dit, dans cet état-là... Donc, tout n'est pas spirituel. Non, tout n'est pas spirituel quand même. Non, non, non. Mais ça dit, ça dépend de nous-mêmes. De nous-mêmes. Peut-être, bon, nous qui sommes ici maintenant, là, on dit, bon, je vais me patienter. Je ne vais pas aller à cet endroit où toute personne court et ils s'en vont là-bas. Là. Je ne vais pas aller comme ça, là. Moi, je vais attendre d'abord pour voir ce que ça va donner là-bas. Là, tu te prends en réserve comme ça, là, au bilan donné. Dans ces temps-là, maintenant, là. Vous voyez. Et maintenant, et si nous sommes là, et tu es pressé, oh, déjà, le mal est déjà là-bas. Toi, tu ne sauras pas. Puisque dans ces temps-là, le mal sait que tout le monde court maintenant pour aller dans cet endroit-là. Je vais rester dans ce carrefour-là pour trouver ce que je veux. Parce que le mal là a faim. Il a laissé des esprits. Voilà, je parle des esprits comme ça. Il a faim et il n'a pas trouvé à manger depuis un certain temps donné. Et dans ce temps-là, tout le monde court maintenant. Et souvent encore, il y a les protections qui négligent maintenant et les âmes, surtout. Les âmes, c'est-à-dire une personne qui est debout comme ça, là, les protections qu'il utilise juste maintenant, là, les prières qu'il utilise souvent là, ces temps-là maintenant, ça dit bon, ce. Quel mot je peux même utiliser? Ça dit bon. Expire, en quelque sorte, non, ça expire, ça vient expiration. Voilà, ça expire, voilà, c'est le mot. Ça expire, vous voyez. Et que maintenant là, il faudra que toi, tu te renforces encore de plus. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière ou autre chose. Ou autre chose. Généralement, les protections, là, ça a un délai. Ça a un délai donné. Ça a un délai donné. Ah bon? Ça a un délai. Donc, ceux qui vont chez les charlatans ou je ne sais pas. Et dire que tout ce que je fais là, c'est pour éternité là. Non, 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 non. C'est pour toute ma vie. Non, 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 non. Ah bon? Donc, ils doivent chaque fois revenir vers vous. Revenir. Pour reprendre encore. Pour reprendre. Et généralement, à la fin de l'année, vous coupez la connexion de ces protections-là et donc ils doivent revenir en quelque sorte. Non, on ne coupe pas. Non, on ne coupe pas la connexion. Ça s'expire d'elle-même. D'elle-même, ça s'expire directement. Oui, c'est-à-dire, on ne fait pas. Nous qui sommes les bokonos, les maîtres spirituels, etc., là, nous n'arrivons pas à anéantir ce que nous avions fait à nos prochains. Non, 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 non.
Mais nous savons même que si on te fait une chose maintenant, ça a un délai donné. Et ça te protège durant une durée donnée. Et si ça finit maintenant là, c'est à toi de revenir. Et s'il ne revient pas? S'il ne revient pas, s'il peut trouver autre chose à faire, il n'a qu'à continuer à le faire. Justement, parlant de ça, on entend aussi dire, Maître Adrien Naka, que des gens vont faire, parmi ceux qui sont souvent victimes de ces accidents, par exemple, ou événements tragiques en fin d'année, il y en a qui vont, par exemple, chez les Bokono pour faire des consultations. Il y a des rituels qui sortent et qu'ils devraient faire, et quand ils ne le font pas, eh bien, ça peut également causer d'accidents. Vous êtes Bokono, est-ce que c'est réel? Bon, c'est encore, c'est réel aussi, surtout cela. Puisque bon, et chez nous, on dit que Kamasa me wenondi. C'est-à-dire, quand tu consultes et tu n'arrives pas à faire les rituels que le Bokono ou bien le maître t'a demandé là, ça te suit. Ça te suit. C'est pourquoi d'autres disent que moi, bon, quand tu vas chez ces maîtres-là, tu vas entendre quelque chose nécessairement. Or, cela aussi n'est pas réel. Tu peux aller maintenant, on va te dire que, bon, et toi, ce qui est sorti ici maintenant, là, il faudra que tu trouves un bouc et aller tuer. Peut-être on peut t'indiquer un fétiche, ou soit un nappe donné, ou soit une rivière ou bien un marécage, à faire offrande avec, à faire un sacrifice, vous voyez. Et si tu arrives à faire cela maintenant là, ça te sauve dans des malheurs. Le danger qui arrive et le phare à trouver là. Si tu arrives à faire ce rituel, c'est fini. Mais au cas où tu n'arriverais même pas à trouver l'argent pour faire ces rituels-là, et tu laisses, le mal que le signe a vu, le phare a vu là, va t'aboutir, finalement. Alors, dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas mieux de ne même pas consulter? Parce que quand tu ne consultes pas, eh bien, tu n'entendras rien. Voilà. Ou bien ne pas consulter également. Ne pas consulter, surtout, c'est ce que nous voyons maintenant comme fin d'année là. Ne pas consulter là. On voit immédiatement qu'il y a accident. Alors, nous allons faire un tout petit pas en arrière. D'accord. Nous parlons de bilan, généralement, des cas d'accident que nous observons là. Oui. Cela résulte d'un bilan, selon vos explications. Oui. Maintenant, la protection dont vous parlez, est-ce que cette protection vient en quelque sorte annuler le bilan ou bien comment ça se fait? Parce que c'est un bilan, c'est une évaluation selon vos dires. Alors, votre protection joue quel rôle dans ça? Bon. Vous voulez dire que c'est un bilan, Aristide est en train de dire que c'est bilan que font les sorciers et les esprits maléfiques. Oui. Puisque c'est ce que vous avez dit dans vos explications. En période de fin d'année, et que c'est un bilan, peut-être qu'ils ont programmé tuer telle personne et pendant les 10 mois ou 9 autres mois de l'année, ils n'ont pas pu. Et donc, ils font tout pour le faire avant la fin de cette année. L'exemple terre à terre, il a parlé d'un élève qui va à l'école et qui devrait suivre une évaluation. Voilà. C'est comme quelqu'un qui n'a pas appris ses leçons ou quelqu'un qui n'a pas une bonne note. À la fin, le bilan, la protection va lui augmenter le point ou bien comment vous faites? Qu'est-ce que faut caricaturer un peu? Voilà. Et ça dit, bon, quand tu vas chez un Bokono et tu as consulté, comment je vais rester durant la fin d'année là? Tu te demandes et un signe est sorti. On te dit que tu as un danger devant. Et si tu n'arriverais même pas à le faire, c'est grave. Et tu dis, voici que je n'avais pas de l'argent. Et tu restes comme ça. Tu vas te coucher. Le lendemain, tu vas dans ton... Tu vas qu'à tes occupations. À tes occupations surtout. Et maintenant, et si tu n'arrivais même pas à le faire, le mal viendra sur toi. Et ce que moi je dis surtout, c'est que quand tu ne fais pas là... Quand tu ne fais pas quoi? La consultation? Non, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement à consulter d'abord. Par exemple, il y a des gens qui ne consultent pas, mais qui va à un endroit donné faire leur prière, demander à leur Dieu
ce que la protection qu'ils veulent. Mmh. Et ça, ça les protège. Ça marche. Mmh. Ça marche. Mais au cas où tu ne te donnes pas à quelque chose de donné là, c'est ça qui trouve la mort maintenant là. Mais vous venez de dire qu'il y a des gens qui ne vont pas consulter, mmh. qui ne vont vers rien, par oui. exemple, mais qui prient le Dieu, l'être suprême, oui. mais ben, ils sont protégés, rien ne leur arrive. Est-ce qu'en ce moment, on a encore besoin d'aller voir un bokono pour aller consulter? Par exemple, ceux dont je parle maintenant là, et qui n'arrivaient même pas à faire quelque chose là, peut-être ils ont fait leur consultation et fait leur sacrifice avant de venir sur la terre. Il y a des gens comme ça. Non, je ne comprends pas cette partie. Par exemple, si nous, enfants, on dit que... Et cette personne-là, comme Bétoretin, Bekoakbeo, Eko Kambosa, tu vois, magnifique. C'est-à-dire, lui, il a fait dans l'au-delà là-bas, là, il a déjà tout fait avant de venir sur cette terre ici. Autrement dit, c'est dans sa destinée d'être constamment protégé. Voilà, il est déjà protégé. Et lui, ma question, ne saura même pas qu'il a fait certaines choses avant de venir. Il a déjà tout oublié avant de venir sur cette terre ici. Et c'est ça qui le protège maintenant. Il y a des gens comme ça, mais ce n'est pas beaucoup. Hein. Quand tu prends une dizaine de personnes, là, c'est rare que tu vas trouver une seule personne dedans. Mais pourquoi c'est... je vais revenir un peu en arrière. Pourquoi c'est en période de fin d'année? Et on entend aussi souvent dire que c'est en période de la sortie de nouvelles tubercules d'igname, souvent en mois d'août, que ces choses-là sont aussi récurrentes. Est-ce que c'est réel? Pourquoi c'est à ces deux moments-là? Bon, nous parlons du bilan, non? Hein? Ce temps aussi, il y a un bilan. Par exemple, et pour les tubercules d'igname, là, chez nous, il y a une cérémonie qu'on arrive à faire souvent quand les tubercules sortent comme ça, là. Et nous coupons, nous prenons les tubercules et faire les sacrifices, les rituels avec, et on prépare. Et nos enfants mangent. Et l'eau dans laquelle ces tubercules ont été préparés là, nous prenons l'eau là encore, nous passons sur le corps de tout le monde dans la maison. Ce qui veut dire que tu n'es plus... et une tubercule d'igname nouvellement sortie, et que ces personnes, c'est-à-dire bon, les malfaiteurs ne vont plus chercher à t'envoûter, c'est-à-dire en provenant de cette tubercule-là. Vous voyez. Maintenant, ils prennent cet temps encore pour nous faire du mal, les sorciers surtout. Et pourquoi c'est en ces temps-là qu'ils font plus du mal? Ils cherchent à faire du mal. C'est une période que... c'est un temps mort qui arrive. C'est-à-dire, et ça crée des envoûtements à tout le monde. Ok. Vous voyez. Ça crée quoi? Des envoûtements. C'est-à-dire, bon. Des envoûtements en compte. Ce que les gens ont fait et qui te protègent avant là. Pour ceux qui ont ceux qui ont fait quelque chose? Non, c'est pour tout le monde. En cas général, c'est pour tout le monde. Peut-être, bon, nous qui sommes ici maintenant, là, et le temps arrive. Et chez nous, enfin, on dit son repos. Le mois d'août, là, c'est son repos. Ça dit, c'est un temps de danger. C'est une période dangereuse, quoi, pour tout le monde. Et le mois d'août, vous d'août. D'août, c'est le huitième mois. Vous parlez du mois de novembre? Non, non, non. Vous avez dit son repos. Et son repos, c'est le mois de... de novembre. Non, c'est pas novembre. Vous voulez parler du 11e mois. 11e mois de l'année. Le 11e mois de l'année, c'est en novembre. Voilà. Ou bien vous parlez de décembre. Non, 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 non. Laissez-moi vous... D'accord. Allez-y. Et le mois, chez nous, on dit le 11e mois, chez nous, c'est le mois d'août. En fond, dans notre tradition. Ok. Vous voyez, ce que je dis là, c'est la tradition surtout. Et c'est ce temps-là qui amène les gens. Par exemple, si je cherchais ce dernier-là, je n'arrivais même pas à le voir là. C'est ce mois-là, ce temps-là que je vais lui chercher à le convaincre. C'est-à-dire à le tuer, à lui faire du mal.
C'est un temps qui est favorable pour les sorciers. Voilà. C'est un temps favorable. On fait le mal. Et c'est la même chose pour la période de fin d'année. Et c'est ce temps-là que vous appelez le temps de désenvoûtement. Bon, ça dit, j'ai... Le mot là m'a un peu échappé. Peut-être pas le désenvoûtement que vous voulez dire. Non. C'est un temps qui est favorable. Oui, à faire du mal. Vous comprenez? Alors, parlons maintenant des protections. Oui. D'accord? Quels sont les types de protections que vous proposez souvent en période de fin d'année pour quand même éviter ces genres de situations? Puisque dans la plupart des cas, tels que vous le dites, c'est des situations qui sont provoquées par des gens. Voilà. Alors, quelles sont les protections que vous donnez? Vous avez cité un exemple tout à l'heure, vous passez l'eau de l'igname, etc. Oui. Quels sont les types d'autres protections? Bon, mais Aristide, avant qu'il réponde à votre question, je suis tenté de lui demander, est-ce que c'est une obligation pour tout le monde de se faire protéger en ce moment-là ou de se chercher à se protéger en ce moment-là? Bon, et dans ces temps maintenant-là, surtout vers la fin de l'année-là, il faut que tout le monde se prépare. Prépare à quoi? Se préparer. C'est-à-dire se préparer contre les mauvais sorts qui viennent. Être conscient, ne pas faire de la vitesse sur la route, c'est aussi une préparation. Oui. Vous parlez de ça ou vous parlez d'autre chose? Je parle de cela et encore d'autres choses. C'est-à-dire, bon, quand tu es un chrétien, par exemple, maintenant, il faut aller prier chaque fois durant ces temps-là, juste la fin de l'année. Même le mois de... comment dit-on? Janvier. Le 1er janvier, là, il faudra que quand tu pries, là, il faut aller demander à ton Dieu de te protéger d'abord. Sinon, ce n'est pas bon. De même que quand tu es dans notre tradition comme ça, là, tu peux encore voir les marabouts, les charlatans, les guérisseurs pour chercher les remèdes à te protéger. Alors, dans cette circonstance où la personne fait tout pour se protéger en période de fin d'année et que l'intéressé, l'autre de l'autre côté, veut forcément en découdre avec lui, veut le tuer forcément, est-ce que vous arrivez à lui trouver des solutions? Très bien. Là, c'est rapide même. Si quelqu'un, de part et d'autre, il ne fait que trouver de malheur, comment faire pour le sauver? C'est à nous de chercher solution. Et comment vous le faites? Voilà. Par exemple, si... Bon, c'est un peu endogène ce que je veux dire. Allez-y. Et la tradition, par exemple, si quelqu'un a des fétiches, chez lui, comme guérisseur, il va chercher solution sur son fétiche-là. Si toi, tu es un charlatan, tu ne fais que trouver les feuilles pour faire des tisanes pour que ce dernier ne meure pas là, tu vas faire encore cela à ce dernier. Vous comprenez un peu ce que je dis, non? Maintenant, si tu as un fétiche, et ce fétiche-là, c'est contre les sorciers, tu vas appeler ce dernier-là. S'il vient chez toi, tu vas lui faire les sacrifices qui sont des protections de la sorcellerie. Vous voyez? Alors, tu fais ça au fétiche, c'est ça? Non, ça dit, bon, on demande le nom de la personne et on consulte devant le fétiche en question. Et si le fétiche a fait sortir un rituel, tu arrives à lui faire ça comme protection. Alors, le nom de la personne que vous demandez là, ça représente quoi? C'est ça qui permet de faire la connexion avec la personne ou bien comment? Voilà. Quand on trouve le nom de la personne, par exemple, on l'appelle Kokou. Et ce Kokou-là est venu chez toi. Et quand tu demandes au fétiche, ah, voici Kokou qui est arrivé chez moi. Et il y a tel problème maintenant. Il vient de me suggérer tel problème. Quel remède trouver? Comment faire? Tu demandes à ton fétiche. Le fétiche sort. Le fétiche te dira ce que tu vas faire pour que ce dernier va guérir. Alors, si Kokou est venu parce qu'il veut que Asiba meure forcément en fin d'année, là, est-ce que vous lui trouvez une solution? Alors que Asiba, de l'autre côté, elle est en train de prier chaque jour pour être protégée. Comment vous faites? Bon, et chez nous, Surtout chez moi, dans mon couvent. Vous ne faites pas du mal? Je ne fais pas du mal.
Ce n'est pas que je suis arrivé à l'antenne et je suis en train de... Mais pourquoi est-ce que j'ai deviné rapidement comme ça la réponse que vous alliez donner? Non, mais quand vous je m'attendais. Mais quand vous prenez en fait 10 personnes qui charlatans ou je ne sais pas, ils vous diront Aristide Kanosou, ils vous serviront la même réponse. Ah, mais vous n'êtes pas dans leur secret pour savoir véritablement. Je ne dis pas que c'est le cas avec monsieur Naka. Non. Bon, surtout moi. Mais vous les aidez pas à un moment, pas tout le temps. Non. On ne les aide même pas. Mais où est-ce qu'ils trouvent? Parce que quand je prends un vil individu qui n'est pas charlatan, qui n'a pas ces choses-là, mais c'est forcément quelqu'un qui l'aide à faire du mal ou à nuire à quelqu'un. Vous voyez, ce que nous... Et c'est dans votre rang qu'on les trouve. Non. Souvent, et nous qui sommes les guérisseurs, les bokonons, les maîtres et autres, là, ils nous ont interdit de se faire du mal. Vous voyez? De faire du mal aux gens. De faire du mal aux gens. Ce n'est pas bon. D'abord, avant qu'on te donne le chapeau, hein, et chez nous, on dit, il y a soit Zahou et nous, il y a Dossé nous, c'est-à-dire, on te donne des totems, des interdits. Tu vas seulement sauver la personne et non lui faire du mal. Mais il paraît, hein, je ne maîtrise pas tous les contours de l'histoire du Fa, mais qu'à l'origine, le Fa servait aux combattants à identifier les faiblesses de leurs adversaires pour pouvoir arriver à les tuer. Est-ce que c'est la même chose? Au cas où ce dernier cherche à te faire du mal, le contourne. Et lui trouve des faiblesses. Voilà. Et dans ce cas, il échoue devant toi. Et ce qui fait la différence ici, c'est que l'autre ne te veut aucun mal. Voilà. C'est pourquoi vous ne... Ne lui faites pas du mal. Alors, nous avons parlé des protections, des rituels que vous faites là. On avait commencé par citer l'eau de l'igname. Quels sont les types? Vous les amenez au bord d'une rivière? Comment vous faites? Non, ce n'est pas aller seulement au bord des rivières. Bon, chez moi, je vais trouver des canaries dans lequel je vais trouver mes feuilles, et j'ai des incantations à donner aux feuilles-là, à les protéger telle personne pour moi, pour que le sorcier qui est celui-là ne le tue pas. Aux feuilles ou aux fétiches? Je parle, j'ai pris la force du fétiche pour travailler avec les feuilles en question, et ce dernier-là utilise la feuille. Ok, il va la protéger. Est-ce que c'est ce que vous faites véritablement ou le plus souvent où vous allez négocier plutôt avec les sorciers ou le malfaiteur? Bon. Sans langue de bois. Moi, je ne sais pas comment négocier. Et nous non plus, on n'est pas en mesure de vérifier si vous savez. Non, là où nous sommes ici maintenant, je peux vous dire un peu que. Et les gens viennent ici, disent que souvent, et moi je suis fort, je suis contre, et je vis dans un banaleret, je fais que, comment dit-on, lutter contre la sorcellerie, je le tue pour nous faire de bon. Non, jamais. Donc on ne tue pas la sorcellerie? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas anéantir la force de la sorcellerie, jamais. Vous ne pouvez pas anéantir? Voilà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire... Et dire que ce dernier ne va plus trouver la sorcellerie durant toute sa vie-là, non. Ah ok, vous parlez de ceux qui ont déjà ce pouvoir-là, ceux qui détiennent déjà ce pouvoir de la sorcellerie, c'est ça? Ceux qui détiennent, non, pas seulement ça, c'est ceux qui le dérangent là, ceux qui, par exemple... Les victimes. Les victimes surtout. Dire qu'on va finir avec celui-ci pour que les sorciers n'arrivent, ne le dérangent plus là. Non. C'est-à-dire que quand quelqu'un est désenvoûté, il n'a pas l'assurance qu'un beau matin, il soit encore envoûté. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il peut être à nouveau envoûté. Il peut être envoûté à tout moment par les sorciers, c'est ce que vous dites? Bon, je ne parle pas de ce sens. Ok, expliquez-nous davantage. Bon, on m'a amené un cas. Mm-hmm. Et c'est un malade peut-être. Je le guéris et c'est un sorcier qui le dérange. Je le guéris. Quand je le guéris là, c'est pour un temps donné. Le mal qui m'est venu là, j'ai détruit le mal. J'ai travaillé sur ce dernier et le mal est fini. Mm-hmm. Mais le reste là, je ne peux pas tout bloquer. C'est quoi le reste? Par exemple, le reste qui viendra comme maladie pour lui là, je ne peux pas tout finir.
qui n'est pas forcément lié à la sorcellerie. Voilà. Ou lié à la sorcellerie. Ou non lié, je ne peux pas tout finir. Ça veut dire que vous l'avez guéri, vous l'avez sauvé, vous l'avez protégé, mais la sorcellerie peut l'attaquer à nouveau. Voilà. Et ce que vous dites, c'est que il n'y a pas de Bokono tout-puissant qui peut tout faire. C'est ça? Je dis que j'ai fini avec ce dernier-là. Il ne va plus mourir, il ne va plus faire quelque chose. Pas mourir, mais être encore attaqué, attaqué par la sorcellerie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que dans ce cas, ce n'est pas mieux d'aller prier Dieu carrément pour que Dieu vous protège? Voilà. Parce que là, au moins, il y a une assurance éternelle, ou bien? Bon, on dit une assurance éternelle, mais pas tellement assurance éternelle. Mais qu'est-ce qui vous a fait rire dans ce qu'il a dit? Bon, je ris dans cela parce que le mot qui vient sorti là, ça dit, bon, les gens disent souvent cela, j'entends quoi. Quand tu vas vers le Dieu là, c'est fini. C'est pas fini. Comment c'est? Le Dieu est tranquille, tu peux tout faire. Le Dieu ne peut pas te dire non, ne faut pas mettre la corde au cou pour mourir ici maintenant là. Il ne peut pas te dire ça. C'est à toi de te gérer. C'est-à-dire, c'est à toi de te garder d'une manière que de te protéger. De te protéger. Oui. En faisant recours aux charlatans. Aller à l'église prier, aller. Mais pourtant, les gens viennent de part d'autre et viennent voir le guérisseur. Et pourtant, on les voit encore en lieu de prière, souvent. Alors, M. Naka, nous allons évoluer un peu. J'ai une autre préoccupation. Oui. On entend également dire que parmi les victimes de ces événements tragiques-là, que ce soit en période de fin d'année ou non, ce sont des gens qui, à un moment donné de leur vie, peut-être ont fait des pactes avec des fétiches, à qui on a fait des promesses, et que ce sont ces fétiches-là qui réclament en retour quelque chose. Les dettes. Oui, effectivement. Je viens de vous dire que quelqu'un qui dira que j'ai fini avec la sorcellerie, que la personne peut vous mentir. J'avais dit ça, non? Maintenant, ceci-là, maintenant, la question que vous voulez de me poser là, on peut se donner à un fétiche comme force de te protéger souvent. Puisque du fait que tu ne peux pas souvent aller faire de guéguilles, aller faire de n'importe quoi là, quand tu te donnes à un fétiche là, garde-moi durant un mois, deux mois ou bien une année donnée. Là, je viendrai te donner un bœuf, un coq, soit un mouton donné. Là, tu t'es protégé aussi contre la sorcellerie, contre les mauvais sorts. C'est un pacte que tu viens de faire. Voilà, c'est un pacte. Ça se fait aussi. Mais rester simplement là, surtout dans notre Bénin ici, là, c'est difficile. Est-ce que ce n'est pas même le fait qu'on va souvent faire ce pacte-là qui occasionne? Parce qu'il y a des gens qui font le pacte, mais qui n'arrivent pas à rembourser, à respecter. Est-ce que ce n'est pas ça qui occasionne ces événements-là? Voilà, cela aussi amène. Peut-être, bon, moi j'ai dit, ce fétiche, si c'est un legba ou bien c'est un goût ou bien c'est un lissa, je les ai dit, bon, j'ai demandé à ce legba-là, pardon, protège ma famille pour que le mois qui vient là, ou bien pour une année donnée, je ne vais pas trouver de maladie, de mort dans ma maison, dans ma chambre. Et il t'a protégé durant un an, deux ans, sans que tu ne lui rembourses ce que tu lui as dit. Et tu es là. Il te fait signe. Ça dit quel signe peut-être? Peut-être tes enfants ne trouvaient pas de maladie avant. Et la maladie arrive dans ta chambre, dans ta famille. Et tout le monde tombe malade. Et tu ne cherches même pas à consulter ou bien aller voir quelqu'un. Tu restes là. Déjà, il te fait signe comme ça. Et si cela finissait, il te fait encore autre chose. Peut-être, tu vas rêver, tu vas faire des cauchemars surtout. Et tu ne vas pas aller consulter encore. Ce sont des signes, ça. Après, bon, tu peux sortir, aller voir quelqu'un dehors avec ta moto. Et un cabri, bien un cochon, rentre dans tes roues, tu fais tomber.
C'est aussi accident, ça. Mm-hmm. Et tu vas dire. Là aussi, c'est un bilan. C'est un signe. Non, ça, c'est un signe. C'est un signe. On te fait des signes comme ça, là. Et tu n'arrives même pas à te consulter, à voir. Là, déjà, tu vas te rappeler. Ou bien, comme je devais à un fétiche là-bas, là, comme je n'avais même pas remboursé, là, c'est pourquoi que je trouve maintenant ce mal. Ça va arriver dans ton cœur. Et tu vas commencer à penser sur ça. Là, immédiatement, tu vas rembourser. Tu vas acheter, si c'est le bouc ou bien c'est le coq, tu vas payer et rembourser aussi cette dette. Vous voulez dire que dans le lot de ceux qui sont victimes des accidents ou des oui. événements tragiques oui. en fin d'année, il y a également ces genres de personnes. Oui, souvent. Alors, souvent. Quand vous payez le bouc ou le mouton que vous allez déposer au fétiche, oui. ceux qui viennent après et qui prennent et qui vont manger là, est-ce qu'eux aussi font des accidents? C'est-à-dire que vous avez fini de faire le sacrifice. Le sacrifice dont on parle, c'est surtout le sang que le fétiche veut. Ah. Ok. D'accord. Quand tu immoles un coq ou bien un bouc là, devant le fétiche, le sang verse sur son corps, sur son corps là, le corps du fétiche. Mm-hmm. Déjà, lui l'a pris déjà. Donc le propriétaire peut reprendre sa chose et rentrer avec. Non. Pourquoi? Et qui prend alors? Les gens. Le charlatan. Les gens viendront là souvent. Le charlatan ou les enfants du charlatan. Voilà. On leur donne ça. Ou soit, quand cela se fait là, ça dépend. Hein. Il y a d'autres qu'on arrive à le faire et on partage la viande. Quand tu laisses tout dans ta chambre là, le mal revient dans ta chambre. Mais quand on ressort, quand on fait sortir, on fait le partage aux gens. Le mal s'éparpille un peu partout. Voilà. Alors, chez ceux qui ont consommé la viande là. Non, quand tu consommes, ça dit, bon, quand on fait ce... On appelle ça offrande. Sahara. Quand tu fais ce Sahara là, ça dit, ça va. Et le mal n'arrive plus à voir la personne. Ça va avec tout le monde, tous ceux qui ont consommé. Non, ça dit, il a vu que tu as fait des sacrifices. Là, ça n'attaque plus personne. Personne. Alors, dans certains cas, oui. ce que je veux dire, c'est oui. un peu insolite. Mm-hmm. Dans certains cas, on a entendu des rumeurs il y a quelques mois où on dit que certaines femmes vendeuses vont chercher ces viandes-là, ces moutons-là, pour utiliser et vendre le riz avec le riz ou bien avec la pâte, etc. Est-ce que tous ceux qui viennent consommer au niveau de cette vendeuse-là courent un risque d'accident aussi? La viande qu'on... C'est-à-dire, on a utilisé un mouton ou un bouc pour faire un sacrifice à qu'on a immolé à un fétiche. D'accord. Mm-hmm. Maintenant, la une chair vendeuse. Est encore là. Il y a des charlatans qui vont revendre. La dépouille, en quelque sorte. Qui vont revendre ces moutons-là à des vendeuses, les dames qui vendent à manger. Bon, ce que moi j'ai étudié, il est interdit de vendre ces viandes. Tu peux donner, tu peux faire cadeau à autre personne, mais ne vends jamais la viande. D'accord. Si, par exemple, on fait cadeau à une dame qui décide de prendre et de faire une sauce avec et vendre du riz avec ça au bord de la voie. Normalement, c'est interdit. On va lui dire, et cette viande donnée là, ne vends pas. Hein. Tu peux donner à autre personne, mais ne vends pas, ne lui vends pas. Si elle vendait... La question d'arrêter, c'est que au cas où la dame vendait... Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y a de conséquences? Aussi bien à la dame qu'à ceux qui mangent. Le mal qui va venir chez la personne qui a fait offrande là, le mal revient à ceux qui ont mangé la viande là-bas. Ceux qui ont acheté avec leur argent. Oui, on ne vend pas. C'est-à-dire, vous avez acheté le mal. Tu as acheté le mal avec tes propres sous. Voilà. Là, ça te revient alors. Nous avons devant nous 5 minutes avant de clôturer cette émission. Okay. Je ne sais pas si Louis Chassobapé... a une question pour vous en attendant qu'on nous poursuive. Oui, en attendant qu'on nous poursuive. Nous avons aujourd'hui, vous entendez parler de nos jeunes frères cybercriminels, ceux qu'on appelle souvent Gaïman. Oui. D'accord. Dans le lot de ces gens-là, il y en a, qui vont vers des charlatans, d'accord, pour faire des pactes avec des fétiches pour avoir de l'argent, pour se faire de l'argent. Est-ce que... Et pendant ces périodes de fêtes, ou généralement au cours de l'année, ce sont des gens qui sont souvent victimes des accidents, fréquemment victimes des accidents. Est-ce que c'est à cause de ces pactes-là, par exemple?
Ce que vous... Vous avez soupiré. Pourquoi? J'entends souvent ces cas-là. C'est vous qui les aidez à faire ces pactes-là avec bon. Les fétiches. Et il y a une différence entre Bokono, féticheur, guérisseur et charlatanisme. Vous êtes quoi dans tout ça? Et charlatan plutôt. Le Bokono n'a pas le droit de faire du mal, surtout les fétiches qui peuvent utiliser le sang des humains. Nous, on ne le fait jamais. Mais celui qui est guérisseur aussi ne va pas le faire. Le charlatanisme, c'est surtout ceux qui utilisent les fétiches. Ils pratiquent c'est-à-dire on va citer des choses pour construire un fétiche donné. Et on va lui donner la force de faire telle chose. Par exemple, il y a les Kennedy et autres là maintenant. Là. Justement. Et souvent chez nous là-bas, là, cela s'est venu une fois et on a entendu qu'il ne fait que tuer les gaïmans, tuer les petits-enfants à leur fétiche. Bon. Ce qui est vrai. C'est vrai réellement. C'est vrai? C'est vrai. Les gens le font. Mais chez nous, ceux qui cherchaient, c'est comme une invention donnée. Ils ont cherché solution, ils ont cherché, c'est-à-dire l'application de construire ce fétiche pour faire du mal. Et là, ce n'est pas pour faire du mal chez eux. Ils font ça pour... Pour se faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est-à-dire on envoie la force à une personne donnée. Et quand ce qu'on lui demande là... Lui, il est obligé de il donner. Est obligé avec la force de donner. Oh, c'est pas bon. Ça a de répercussions après? Tellement. Ce sont des qui meurent souvent. Par exemple, il y a des accidents graves et les camions ou bien la voiture s'incendie comme ça et ça brûle. Ce sont ces cas-là. Oh, c'est pas bon. Par exemple, moi maintenant là. Je ne connais même pas ça, on ne le fait même pas ça. Alors, nous sommes à 2 minutes de la fin. Oui. Votre mot pour clôturer rapidement. Non, mais avant, dites-nous, en ces périodes-là de fin d'année, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel comportement adopter pour les téléspectateurs qui vous suivent? Dites-leur quel comportement adopter pour être épargné d'éventuels accidents ou d'événements tragiques. Et ce sera votre mot de la fin. Ok, ok. Bon, je remercie d'abord mes chers journalistes. Vraiment, je suis content de vous. Les questions pertinentes que vous m'envoyez aussi me donnent aussi de leçons. Et ce qui est là, surtout concernant... les totems que j'avais parlé avant là. Normalement, on devait respecter nos totems, quelles que soient les religions qu'on pratique. Il faut qu'on respecte nos totems de famille. Parce qu'il y a les totems de famille et les totems individuels. Individuels. Oui. Mais de famille est plus... Plus important. Voilà, plus important. À part ça, en dehors de ça... Bon, en dehors de ça... Et d'abord, nous allons rester, se suivre surtout, se contrôler surtout. Et encore, nous allons demander aux enfants aussi, à leur sortie, de se surveiller surtout. S'ils veulent traverser une voie, de regarder de gauche à droite d'abord, avant de traverser une voie. Sinon, les cas arrivent souvent. De se protéger également. De se protéger. Ouais. Et pour t'aider de quelle manière? Bon. En priant. En priant surtout, bien aller chez un marabout et autres là. Bon, lequel vous souhaitez aux téléspectateurs? Bon, chez moi. Prier Dieu ou aller vers. Prier Dieu surtout et aller voir le Bokono. C'est les deux à la fois. Les deux à la fois. Aristide Kanousou, je vous laisse clôturer cette édition. Merci à notre invité Adrien Naka. Il est spiritualiste, il est également maître du Fa. Merci à vous, Louis Sassobapé, pour avoir conduit de main de maître cette émission. Merci surtout à Oriens Romao qui est resté à la réalisation avec toute son équipe, entre autres Sylvain Béanzin et Kossi Awaou. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain.
Amen.